vie de Christ dans un homme produira les œuvres de Christ. Le Saint-Esprit dans un homme produira un chrétien. Jamais pas. Quand je veux parler au lys, il prend ma bouche. Autre, car chaque semence. Devant, il est Seigneur Jésus-Christ. La révélation. Derrière le Seigneur Jésus-Christ, il y a les prophètes. Le roi, tout l'appartenait. Derrière le prophète, il y a passé Firmin. Une esteur de mon temps. Et derrière Firmin, il y a cette église. La révélation. Qui est Jésus-Christ? J'ai changé de nom, les noms croyants. Je veux apprendre à connaître Jésus-Christ. Oui, il y a pas la mort. C'est qui peut attirer le son de Dieu. Voilà, matin dans la choukrani. Avant de lire mon petit message d'action de grâce. Le passage pour donner mon petit message d'action de grâce. Prenons psaume 50. Zaburi makumitano. Nous lirons du 1er au 15e verset. Dieu, l'Éternel parle et convoque la terre depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Vas-y alors. Mungu wa milele anasema tokea enaiku nalika ulimwengu nzima tokea kukandokando ya dunia. De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Na kustokea kusayuni urembo wake inaonekana. Il vient notre Dieu. E kuna kuja Mungu wetu. Il ne reste pas en silence. Ashita baki kimya. Devant lui est un feu dévorant. Na mbele yake ni moto ya kurarua. Autour de lui une violente tempête. Na kando kando lake ni pepo kubwa. Il crie vers les cieux en haut. Na e kuna lalamika toka mbingu juu. Et vers la terre. Na chini ya dunia. Pour juger son peuple. Njua kuamua umma yake. Rassemblez-moi mes fidèles. Mkusanishe baaminifu bangu. Qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Wale walifanya agano pamoja nami kupitia matendo ya shukrani. Les cieux publieront sa justice. Na mbingu itatangaza haki yake. Car c'est Dieu qui est juge. Kwa sababu ni Mungu ndio mwamuzi. Écoute mon peuple. Sikilizeni umma yangu. Et je parlerai. Na mimi nitasema. Israël. Israeli. Je t'avertirai. Mimi nitakutangulia kukwambia. Je suis Dieu. Mimi ni Mungu. Ton Dieu. Mungu wako. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je t'ai fait des reproches. Aina njua masada yako ile ninakukemea. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Ile masadaka yako ya kuteketeza kila mara ni mbele yangu. Je ne prendrai pas des taureaux dans ta maison. Mimi sitachukua mangombe munyumba yako. Ni des boucs dans tes bergeries. Wala mabebero katikati ya wachunga kondoo wako. Car tous les animaux des forêts sont à moi. Kwa sababu manyama yote ya shamba ni yangu. Toutes les bêtes de montagne par milliers. Manyama yote ya milima muwingi yayo. Je connais tous les oiseaux des montagnes. Mina jua mandeke yote ya milima. Et tout ce qui s'émeut dans les champs m'appartient. Na vyote vile viko na tikiswa mujamba vyote ni vyangu. Si j'avais faim, kama nilikuwa na njaa, je ne te le dirais pas. Mimi sitakueleza hayo. Car le monde est à moi. Kwa sababu ulimwengu yote ni yangu. Et tout ce qu'il renferme. Na vyote vyenye kuyamo. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai. Et tu me glorifieras. Que le Seigneur Jésus bénisse sa parole. J'ai lu ce passage de Psaume 50. Nasoma i andiko ya Zaburi makumi tano. Où Dieu
fait des reproches à son peuple. Mule Mungu ekuna kemea umayake. Il parle à Israël. Ekuna ambia Israeli. Et vous savez que l'église est comme Israël. Na munajua ya kama kanisa iku kama Israel. L'église est le type d'Israël. Kanisa ni mfano ya Israël. Israël est le type de l'église. Voilà, Israeli ni mfano ya kanisa. Dieu fait des reproches à Israël. Mungu ekuna kemea Israel. Il dit à son peuple. Ekuna ambia umayake. Je suis ton Dieu. Mimi ni Mungu wako. Amen. Amina. C'est moi qui suis le juge. Mimi ndio mwamzi. Écoute mon peuple, je te parlerai. Sikia umayangu mimi nitakusemezea. Israël, je t'avertirai. Israël nitatangulia. Quand on parle d'Israël, voyez-vous, mettez-vous à la place d'Israël. Wakati wanasema ndio ya Israël, udieke fashi ya Israël. Je suis ton Dieu. Mimi ni Mungu wako. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Aina njua masadaka yako ile mimi nakukemea nayo. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Masadaka yako ya kuteketeza kila mara ni mbele yangu. Tu as toujours fait Dieu voir. Si yote bila unafanyaka Mungu ekunaona. Amen. Amina. Mais qu'est-ce que Dieu recommande à son peuple? Qu'est-ce qu'il demande? Sasa ni kitu kani kile Mungu ekunaoma ekunalomba uma yake. Il dit anasema au verset 14. Offre pour sacrifice les... des actions de grâce. Toa kama sadaka matendo la shukrani. Et accomplis tes vœux. Na utimize vyapo vyako. Envers le Très-Haut. Mbele ya aliye juu. C'est ça que Dieu demande à son peuple. Chokile Mungu ekuna lomba umayake. Il faut offrir. Inapendeza kutoa. Comme sacrifice. Kama sadaka. Des actions de grâce. Matendo la shukrani. Dieu n'aime pas l'ingratitude. Mungu ashipendake wakafiri. Dieu veut que nous lui soyons toujours reconnaissants. Mungu anapendaka tuwe paka na shukrani kila mara. Dieu aime celui qui est reconnaissant. Mungu anapendaka mutu wenye kwa na shukrani. Celui qui sait dire merci. Ule anajua kusema asante. C'est ça les actions de grâce. Ile ndio shukrani. Rendre grâce à Dieu. Kushukuru Mungu. Remercier le Seigneur. Kumshukuru Bwana. Qui nous a donné le souffle de vie. Mwenye anatupatia pumzi ya uzima. Si nous sommes en bonne santé. Kama tuko katika afya njema. C'est par sa grâce souveraine. Ni kupitia tu neema yake ya uru. Voyez combien sont morts. Unaona wangapi wenye kufa. Peut-être sans même l'avoir connu. Sasa zingine bila hata kumfahamu. Qu'est-ce que nous avons payé? Sasa chez tuliripa nini? Qu'est-ce que nous avons fait? Tulifanya kitu gani? Pour être fils et filles de Dieu. Ya kuya watoto na wabinti wa Mungu. Pour reconnaître notre jour et notre message. Kutambua siku yetu na ujumbe yayo. Pour être parmi les gens les plus heureux de la terre. Miongoni ya watu wenye heri kabisa ulimwengu nzima. Pour être les gens les plus privilégiés du monde. Ya watu wenye fadhili kabisa ulimwengu mzima. Dieu nous connaît. Mungu anatufahamu. Qui croit que Dieu le connaît? Ni nani anaamini kama Mungu anamfahamu? Dites Dieu me connaît. Sema Mungu ananijua. Dites Dieu me connaît. Mungu ananijua. Amen, 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 amen. Amina, amina, amina. Amen. Amina. Dieu nous connaît. Mungu anatujua. Et comme il nous connaît, na sabila anatujua, nous devons lui être reconnaissants. Tunapasha kumshukuru. Amen. Amina. Pour tout ce qu'il fait. Dieu a bien te bila natenda. C'est quoi David disait dans Psaume 103? Ni Daoud yaranza kusema mon âme. Il s'adresse à lui-même. Eku na jambia peke yake. Il parle à son âme. Eku na semezea nafsi yake. Nafsi yangu. Bénis l'Éternel. Bariki Bwana. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Na Dieu te dile diku ndani mwangu bibariki jina lake takatifu. Mon âme bénis l'Éternel. Nafsi yangu bariki Bwana. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Na usisabu mema yake hata mmoja. Nous devons toujours être reconnaissants vers Dieu pour tous ses bienfaits. Pour tous ses offres. Kadi. Kadi. Marcel. Marcel. Galette. Galette. Jacques Léon. C'est Massi Léon. Bienvenue Kabea. Bienvenue Kabea. Sœur Dorcas Mwamboui. Tata Dorcas Mwamboui. Sœur Loïs, Tata Loïs, faut être reconnaissant vers Dieu. Na pendeza kwa na shukrani kwa Mungu. Ça c'est quelque chose de palpable que vous venez de vivre. Iki ni kitu cha kupapasa kile mnapata. Mais chacun de nous, lakini kila mmoja wetu, même si je n'ai pas cité ton nom, hata kama sitaye jina lako, je te connais. Mungu anakujua. Et Dieu fait des merveilles. Na Mungu ekuna kutendea vitu vikuu. Mon frère, vous voyagez, nous voyageons et nous rentrons. Ndugu,
Il y a des crashs d'avion. Il y a des accidents, vous avez suivi. Il y a le train de la SNCC qui a fait le déraillement. Beaucoup, il y a eu beaucoup de morts. Vous partez en Tanzanie. Vous revenez. Vous allez en Chine. Vous revenez. Vous allez à Dubaï. Vous revenez. Vous allez en Zambie et partout. Vous allez en Zambie. Qui est celui qui veille sur vous? Ni nani ule kuna keshi juu yako? N'est-ce pas l'Éternel? Si yo amilele. C'est l'Éternel qui garde en allant. Ni bwana ndio kuna kinga. C'est l'Éternel qui garde au retour. Ni bwana ndio anakinga pia mkubuti. Que son nom soit béni. Na jina lake isifiwe. Il y a notre frère, je ne sais pas Sylvain ou qui, on l'a attaqué. Kuna ndugu yetu Sylvain Michi tu kama ni nani bari kushambulia. Je ne sais pas le nom. Michi kumbuke tena jina. Il m'a écrit la nuit là. Alinyanjikia busiku. Les bandits à main armée. Wajambazi walikuwa na masila. Allez, ils ont tiré, ils ont ravi. Akatiatika masashi bana beba bitu byote. Je l'ai encouragé. Mikamujaza moyo. Il pouvait te tuer. Alipasha kuuawa. Je lui ai envoyé un message. Nikamwandikia ko. J'étais en train de méditer, j'ai vu son message à 2h du matin. Ndikuya na tofakari kusu neno lakini nikaona ile barua yake mu ma 2h. Je me suis dit peut-être il pouvait être traumatisé, je ne pouvais pas l'appeler à cette heure. Je lui ai envoyé un message d'encouragement. Nikasema sa zingine ni mwenye réconfort kabisa, nikamwandikia na mie ile habari ya kumujaza moyo. C'est pas la scène est arrivée vers 23h ou minuit quelque chose. Mais je dois le mambo ilifanchika kama ma 23h. Après il m'a envoyé le message mais je n'ai lu ça que vers 2h. Parle pas le tout, ile mambo ilifanchika rinitumia message lakini mimi nilisoma tu ni ma 2h. Bien-aimés frères. Wapendwa ndugu na dada, il pouvait mourir. Alipasha kufa. Notre frère Wabalabio, on l'avait attaqué, on a ravi son argent avec on a tué Wabalabio, bari mushamuriaka bana pinga na masashi. Il m'avait appelé. Alinipigiaka simu. Nous avons prié. Tukaomba. Je lui ai dit. Nikamwambia. Il faut remercier le Seigneur. Inapendeza kumshukuru Bwana. Parce qu'il a épargné ta vie. Kwa sababu anepusha maisha yako. Les biens, l'argent là. Dieu va encore te donner cet argent. Bitu, ile makuta, Mungu atakupatia tena makuta ingine. Amen. Amina. Amen. Amina. La vie. Uzima. La vie. Uzima. Le souffle de vie. Ipumzi ya uzima. C'est la chose la plus importante. Cho kitu kya lazima kabisa. Il ne faut pas qu'on puisse te précipiter dans la mort de façon prématurée. Aipendeze ba kufikishe kulufu munamuna ya haraka kabisa. Alors, aux États-Unis, kumbi kule kwa Amerika, comme notre thème, savi le tema yetu, je parle du jour, le jour d'action de grâce. Niko nasemeze ya kusu siku ya shukrani ou Thanksgiving Day. Thanksgiving Day, le jour d'action de grâce. Siku ya tendo ya shukrani. Au mois de novembre aux États-Unis, mwezi wa 11 kule kwa Amerika, Thanksgiving c'est un mot. Thanksgiving. Ile ni mbona njika mara moja tu. Thanksgiving. Ni jina moja. We day agode. Donc Thanksgiving Day. Aux États-Unis, kule kwa Amerika, ils ont une fête américaine. Peku na karamu ya kiamerika, une fête, un jour des actions de grâce. Siku ya matendo la shukrani, chaque mois de novembre. Kila mwezi wa 11. C'est aussi bien tombé chez nous au mois de novembre. Ile inafika mzuri na chez ni mwezi ya 11. Ils ont cette journée nationale. Manikalaka na ile siku ya où ils remercient Dieu. Ya inchi mzima, siku ile rendent des actions de grâce à Dieu. Beku na shukuru Mungu. Ils disent, beku na sema pour leur père. Dieu ya babu yao, les pères, les pèlerins, les ceux-là, les explorateurs, les gens qui étaient allés à la recherche d'un pays où ils devaient exercer la liberté des religions. Inchi le baripasha kuya katika uru wa kidini. Ils avaient combattu bien sûr. Bakapigana vita akika. Ils ont chassé les Indiens ou les peaux rouges qui étaient là. Bakafukisha wakiindu wale walikuwa kule. Vous connaissez l'histoire, les Incas. Munajua habari mzuri. Et ils se sont établis. Na bakadipanga pale. Ils ont dit, oh merci Seigneur, tu nous as donné la liberté des religions. Bakasema, eh aksanti bwana, unatupatia uhuru wa kidini. Ils ont ces jours-là. Beku na ile siku. Amen. Amina. Suivez les prophètes. Mutamfuata nabi. Dans le message au commencement, il n'était pas ainsi. Katika ujumbe kumwanzo avikukuyake hivi. Ça, ce sont les Américains. Même
ceux qui ne sont pas chrétiens pour wale ni wa America na wale wenye hawana wa Kristo wote pamoja. Or la nation américaine c'est une nation qui est fondée sur les fondements bibliques, sur les fondements chrétiens. Ile taifa ya kiamerika inatia misingi pa pa kidini wala kikristo. Ils sont allés pour avoir la liberté de religion, pour adorer leur Dieu librement. Wariendaka ku ile udongo njoo kupata uhuru wa kidini njoo kuabudu Mungu wabo katika uhuru wote. Fuyant la persécution, l'emprise de l'église catholique. Barikimbiaka ce sont les protestants. Na ile mateso ya kikatoliki njoo wakaenda kule. Ce sont les protestants. Ni wa kiprotestants. Alors frère madame parle. Ndugu Branham anasema dans le message au commencement il n'en était pas ainsi. Katika ujumbe kumwanza il avait prêché le 25 novembre 1959. Ya tarehe 25 mwezi wa 11 mwaka wa 59. Demain ce sera le Thanksgiving. Demain c'est le Thanksgiving. Le jour d'action de grâce. Itakuwa ni siku ya Thanksgiving day, siku ya matendo la shukrani. Un jour mis à part. Siku ya upeke. Que nos ancêtres pèlerins avaient mis à part pour rendre des actions de grâce à Dieu pour ce que nous avions, ce qu'il avait fait pour nous, ce que Dieu avait fait pour nous, pour eux américains, pour les avoir bénis, pour leur avoir donné des récoltes et autres. C'est vraiment un jour propre à l'Amérique. Il est ni siku ya upeke paka ya kwa Amerika. Tous les autres jours, I masiku ingine yote, comme celui de Saint Patrick. Ça i siku ya Saint Patrick. Les autres fêtes là. Il est makaramu ingine ingine. Et autres, na ingine. Ça vient d'outre-mer. Ce sont les fêtes. Il est ingine ngambo ingine. Mais celui-ci, lakini hii, le Thanksgiving, hii Thanksgiving, c'est un congé américain. Ile ni mapumziko ya kwa Amerika. Le jour d'action de grâce. Siku ya tendo la shukrani. Ce soir, j'aimerais dire qu'il y a beaucoup de choses dont je suis reconnaissant. Hii mangaribi, minapenda kusema, kuna vitu mingi ambayo ni kuna shukrani kabisa kwa Mungu. Je ne sais comment rendre grâce à Dieu pour tant de bénédictions. Mishitue namuna kani kumushukuru Mungu njia mabaraka ningi kabisa. Donc les Américains au mois de novembre, il y a un jour ça change parfois, ça peut être le premier jeudi du mois, ça peut être ça change comme ça. Kumbi wa America, c'est kila, un jour d'action de grâce. Kila mwezi wa 11 pour remercier Dieu. Mara mingi nabadilika kasa zingine nezwa mkazini, sasa zingine iko nabadilika vile. Ni siku ya upekee ya kushukuru Mungu. C'est dans l'histoire américaine. Il est ni katika hadithi ya Amerika. Même le président, même le gouvernement, tout le président, hata baraisi bote remercie Dieu. Beku na shukuru Mungu pour ses bienfaits. Ndio ya mema yake. Pour ses offres. Ndio ya mema yake. Les Américains font cela. Wa Amerika wanafanyaka vile. Mais nous ne sommes pas américains. Na sisi sio wa Amerika. Nous sommes des chrétiens. Sisi ni wa Kristo. Si les Américains ont un jour d'action de grâce. Kama wa Amerika weku na siku moja ya tendo la shukrani. Nous devions aussi rendre à Dieu nos actions de grâce. Kumbi sisi nasi tunapasha kumshukuru Mungu. Non seulement un jour. Hapana paka siku moja. Mais chaque jour de notre vie. Lakini kila siku ya maisha yetu. Devons être reconnaissants. Devons dire merci à Dieu. Frère Branham dit, ce soir j'aimerais dire qu'il y a beaucoup de choses dont je suis reconnaissant. Reconnaissant vers Dieu. Et je ne sais comment rendre grâce à Dieu pour tant de bénédictions. Rassurez-vous de vous rappeler cela demain. Ce jour-là, c'était la veille, donc c'était programmé, ça devait passer le 26. Cette année-là, le jour d'action de grâce était tombé le 26 novembre. Et Elisabeth Bank aujourd'hui fête ce jour d'action de grâce le 26 novembre. Na leo list maskani iko na sherikia ile siku yao tarehe 26 ya mwezi wa 11. Il avait prêché ce message le 25 novembre. Ariubiria kai ujumbe tarehe 25. Mais il leur dit demain le 11 anasema kesho. Demain le 26. Kesho tarehe 26. C'est le Thanksgiving. Itakuwa Thanksgiving day. Amen. Amina. Alors il dit anasema
Rassurez-vous de vous rappeler cela demain, le 26. Et il dit aux visiteurs, si votre église a une réunion, assistez-y. Demain soir, nous continuerons avec nos services ici. Et nous vous attendrons, si vous le pouvez, pour être ici avec nous demain soir. Rassurez-vous, si vous n'avez pas de réunion dans votre église, frère, on a été ordonné. Si dans votre église, il n'y a pas une réunion, venez. Mais si vous avez une réunion, faites quoi? Allez à votre poste. Il répète. Rassurez-vous. Si vous n'avez pas de réunion dans votre église, alors à la maison, rassemblez la famille, assoyez-vous, prenez la parole de Dieu et lisez-la. Parlez-en à vos enfants. Dites-leur que cette nation a été bâtie sur quelque chose comme cela. Nos aïeux qui avaient combattu pour nous libérer avaient quitté l'autre monde afin que nous ayons la liberté d'adorer, la liberté d'expression, la liberté de la presse et autres. Et nous en sommes encore reconnaissants. Nous ne savons pas jusqu'au quand cela durera ainsi. Mais voici ce que je dis. Que notre pays soit longtemps éclairé. Ça, il prie pour le pays, il souhaite. Que notre pays soit longtemps éclairé par la lumière de la sainte liberté. Protège-nous par ta puissance, ô grand Dieu. Ô notre roi. Amen. Amen. Amina. Que notre pays soit longtemps éclairé par la lumière de la sainte liberté. La sainte liberté, la véritable liberté vient de l'évangile. Qui croit cela? C'est l'évangile qui libère. C'est l'évangile de Jésus Christ. La bonne nouvelle. Jésus avait dit, vous connaîtrez la vérité. La vérité fera quoi? Vous affranchira. Vous rendra libre. Quand vous croyez l'évangile, l'évangile vous libère. Vous n'êtes plus esclave du péché. Vous n'êtes plus esclave des maladies. Vous n'êtes plus esclave des sorciers. Vous êtes libéré. Je vous a rendu libre. Soyez libre. Soyez affranchis. Amen. Amina. Il n'y a pas suffisamment de démons en enfer pour garder un fils de Dieu dans l'esclavage. Quand Dieu vous a libéré, vous êtes libre. Quand Dieu vous a délivré, vous êtes délivré. Quand Dieu vous a guéri, vous êtes guéri. Wakati Mungu anakuponya ushakutunziwa. Qui croit qu'il est guéri? Ni nani anaamini kama ushakutunziwa? Vous pouvez le confesser. Eti unaweza kuikiri. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Répétez-le. Urudilie ile. Je suis guéri. Avec foi. Na imani. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Dites-le avec foi. Uiseme na imani. Je suis guéri. Amen. Amina. Dites, ce message m'a libéré. Ce message m'a libéré. Le message du temps de la fin m'a délivré.
Le message temps de la fin m'a affranchi. Restez alors libre. Soyez libre. Où est Ouru? Soyez délivré. Où est mon confort? Vivez en paix. Vous êtes un fils de Dieu. Vous êtes une fille de Dieu. Que Satan ne se joue pas de vous. Satan était vaincu. Parce que c'est lui qui a vaincu. C'est celui qui est en nous. La Bible dit, petits enfants, ne craignez point. Celui qui est dans le monde, celui qui est en vous, est plus grand que celui qui est dans le monde. Dites, celui qui est en moi est plus grand que le monde. Celui qui est en moi est plus grand que Satan. Celui qui est en moi est plus grand que tous les démons. Celui qui est en moi est plus grand que toutes les maladies. Celui qui est en moi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui est en moi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est en moi. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Qui est en vous? Qui est en vous? Qui est en vous? Qui est en toi? Qui est en toi? Qui est en toi? Si le Seigneur est en vous, dites un grand amen. Amen. Dites un amen de manière à obliger Satan à s'enfuir. Dites un amen de manière à obliger les démons qui te tourmentent à lâcher. Oubliez tout ce que la médecine a dit. Oh, tu es stérile. Oh, tu n'auras pas d'enfant. Oh, Dieu. Dieu a dit, par ses maîtrisures, je suis guéri. Je suis guéri. Alléluia. 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 Nous sommes... Alléluia. 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 Je prends un autre message. Nous sommes comme Israël. Dans le message, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Au paragraphe 17. Frère Branham dit. Maintenant, hier soir. Sasa, jana mangaribi. C'est un message du 11 septembre 1960. Paragraphe 17. Maintenant, Sasa, hier soir, nous avons voyagé avec les enfants d'Israël tout le long du chemin depuis l'Égypte jusqu'à ce que nous les ayons vus entrer à Kadesh. Oh, hey, quelle grande leçon! Quelle grande chose lorsque nous avons comparé l'église naturelle à l'église spirituelle. Dieu traitant avec Israël dans le naturel et avec l'église en ces jours. Alors qu'il appelle hors des nations un peuple pour son nom, il traite avec ceux-ci dans le spirituel comme il traitait avec ceux-là dans le naturel. Elles sont juste en parallèle l'une avec l'autre. Suivez maintenant. Tout ce que Dieu a fait avec eux, tout ce que Dieu a fait pour eux, et tout ce qu'ils ont fait en réponse, cela nous est laissé à titre d'exemple. Et nous voyons que jusqu'ici la parole a été accomplie exactement de la même façon. Oh, oh.
moya moya. Israël était en esclavage en Israël en Égypte. Nous aussi nous étions esclaves du péché. Né dans le péché. Et Dieu leur avait envoyé un prophète. Avec la colonne de feu. Pour leur donner la victoire. Le même Dieu. Nous avons envoyé un prophète. Avec la colonne de feu. Pour donner la victoire. Le Dieu qui les a délivrés. C'est l'esclavage de l'Égypte. C'est le même Dieu. Qui nous délivre. C'est l'esclavage du péché. C'est l'esclavage des maladies. Est-ce que vous êtes avec moi? Eti mukupa moja nami. Amen. Amina. Amen. Amina. Amen. Amina. Il dit, nous voyons jusqu'ici la parole a été accomplie exactement de la même façon. Anasema paka na hapa tunaona kusema neno inatimizwa paka munamuna moja moja. De la même façon. Munamuna moja moja. Est-ce que vous croyez que c'est de la même façon? Eti munamini ya kusema ni ile namuna moja moja. Est-ce que vous le croyez? Eti munayamini. Vous croyez que c'est de la même façon? Eti munamini ya kusema ni ile namuna moja moja. Amen. Amina. Amen. Amina. C'est de la même façon. Ni muile namuna moja moja. Nous avons toujours répété cela. Na kila mara tunairudiliaka. Dans le message, le retour et le jubilé. Katika ujumbe kurudi na yubile. Bien-aimés frères et sœurs. Wapendwa ndugu na dada. Suivez un peu ce qu'il dit. Sikilizeni kwanza kile kunasema. Le retour et le jubilé. Kurudi na yubile. Paragraphe 46. Ipindi yake ya 46. Comme on dit que la parole jusqu'ici la parole a été accomplie. Savi la nasema paka na hapa exactement de la même façon. Munamuna moja moja. Ce qu'il avait fait pour Israël, il le fait pour nous. Kile alifanyaka Israeli anakifanya pia njoo yetu. Est-ce que vous êtes avec moi? Unanisikia? Ce qu'il a fait pour Israël, il le fait pour nous. Kile alifanyaka Israeli anatufanyia nacho pia. Au paragraphe 46. Ukipindi ya 46. De ce message, le retour et le jubilé. Yai ujumbe kurudi na yubile. Le retour et le jubilé, c'est un message du 22 novembre 1962. Paragraphe 46. Il dit, l'Église est maintenant comme Israël. Anasema kanisa iko sasa sa Israël. L'Église ressemble à Israël. Kanisa inafanana na Israël. Lorsqu'il sortit d'Égypte. Wakati le ilitoka Misri. Amen. Amina. Lorsqu'Israël était là-bas en Égypte, wakati Israël ilikuwa mule mu Misri, Dieu, Mungu, dans sa merveilleuse grâce, katika wema wake kubwa, sans aucune organisation, bila tengenezo hata moja, ni rien d'autre, wala kitu ingine, appela Israël à sa prospérité. Akaita Israël mukustawi kwao. Nous étions dans l'esclavage. Le message est venu. C'est Dieu qui nous a envoyé ce message. Il a dit, je vous enverrai Élie le prophète. Afin de vous ramener à la foi apostolique. La lumière du soir est venue. Pour nous faire sortir des ténèbres. Des ténèbres dénominations. Amen. Amina. Dieu nous a envoyé ce message. C'est un appel de miséricorde. Il nous appelle à quoi? Répétez si vous m'avez suivi. À quoi? À notre prospérité. Ce message nous appelle à la prospérité. Nous devons prospérer à tous égards. Nous devons prospérer spirituellement. Que le diable ne vous aveugle pas. Vous avez un peu quelque chose là, de l'argent, vous portez des habits, ceci, des voitures, tout ça. Et ça vous aveugle. Vous devez être orgueilleux. Kitu fulani kama pesa wala makuta, magari, manyumba, bile binaanza kukua mecho. L'argent, makuta, si ce n'est pas utilisé pour le royaume de Dieu, c'est une saleté devant Dieu. Kama auitumie njia ya ufalme wa Mungu, ile ni uchafu kwa macho ya Mungu. Vous ne croyez pas ça? Amwamini ile. Je vais lire cette déclaration. Mita soma ile luku. Je vais la lire. Mita isoma. Mais je termine d'abord celle-ci. Lakini nimalize kwanza hii. Donc, Dieu les a appelés à leur prospérité. Kumbi Mungu aliwaitaka kustawi wao.
Israël. Israël. Et il nous dit l'église est comme Israël. Nous étions dans l'esclavage. Dieu est venu nous libérer. Frère Branham, avec tous les Américains, ont un jour d'action de grâce. Pour remercier le Seigneur pour la liberté que Dieu leur a accordée. Pour la liberté retrouvée. Mais nous aussi, nous remercions le Seigneur. Parce que Israël, qui est notre type, Israël, c'est nous qui sommes la réalité. L'Ancien Testament, c'est l'ombre du Nouveau Testament. Amen. Amen. La réalité, c'est aujourd'hui. Ce qu'il avait fait avec Israël dans le naturel, il le fait avec nous dans le spirituel. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Il dit, Dieu dans sa merveilleuse grâce, sans aucune organisation, ni rien d'autre, appela Israël à sa prospérité. Amen. 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 Amina. Il les appela à leur héritage. La grâce. Nema. Leur donna un prophète. La grâce. Nema. Leur donna une colonne de feu. La grâce. Nema. Leur donna un agneau. L'agneau du sacrifice. La grâce. Nema. Leur donna la puissance. La grâce. Nema. Leur donna toutes ces choses. Et ils dansèrent en esprit. Pika Marina katika roho et louer Dieu à ce kashifu Mungu. Amen. Amen. Amina. Amen. Amina. Croyez-vous que ce que Dieu a fait avec Israël, il le fait aussi avec nous? Munamini kama kile Mungu alifanyaka na Israel anatufanyia nasi pia. Est-ce que vous le croyez de tout votre cœur? Eti munaamini kwa moyo wenu wote? Est-ce que je peux entendre un amen? Minaweza kusikia kwa mina moja? Est-ce que je peux entendre un grand amen? Eti minaweza kusikia kwa mina kubwa? Je veux entendre un amen qui exprime la foi qui est en vous. Minapenda kusikia amen. Leza imani yenye kwa ndani mwenu. Alors, lisons ceci. Kumbi tutasoma hii ensemble. Pamoja. Comme nous l'avons toujours lu. Paka vile tunaisomaka. Car il est le souverain sacrificateur de notre. Kwa sababu yeye ni mkuuani mkuu wa kuchiri kwetu. Il faut dire cela. Inapendeza kuisema. Par votre bouche. Kuisema kukinwa chako. Suivez un peu ce que Romain avant de le dire, de le lire ensemble. Ce qu'ils aient ni Romains 10. Kabla sisi kuisoma pamoja. Warumi 10. Dit ceci. Inasema hivi. Warumi wanasema hivi. Romains 19. Warumi 10. Romains 10. Romains 10 dit ceci. Warumi 10 nasema hivi. Si tu confesses de ta bouche kama unakiri tokea kinywa chako le Seigneur Jésus, Bwana Yesu, et si tu crois dans ton cœur, na kama unaamini moyoni mwako, amen, amina, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, kama unakiri tokea kinywa chako Bwana Yesu, et si tu crois dans ton cœur, na kama unaamini moyoni mwako que Dieu l'a ressuscité des morts, ya kusema Mungu alimfufua toka wafu, tu seras sauvé. Utaokolewa. Car c'est en croyant du cœur kwa sababu ni mkuamini kumuro qu'on parvient à la justice. Njo unafika kuwaki. Et c'est en confessant de la bouche ni mkukiri kupitia midomo yako qu'on parvient au salut. Njo unafika kuokovu. Selon ce que dit l'écriture. Kulingana na kiasema maandiko, quiconque croit en lui ne sera point confus. Yoyote la tamwaminia ashitavurukwa kamwe. Il n'y a aucune différence en effet entre juifs et grecs. Hakuna chanisho kwa hivi katikati ya Muyahudi na puisqu'ils ont tous un même Seigneur. Kwa sababu wao wote wako na Bwana mmoja. Qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Mwenye kwa mtajiri njia yoyote mwenye kumwalika. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Kwa sababu yoyote la taita jina la Bwana ataokolewa. Donc quand tu crois quelque chose, wakati unaamini ya kusema Mungu dans le cœur, moyoni mwako on croit avec quoi? Avec la anaminyaka na kichwa. Les chrétiens croient avec quoi? Waaminifu wanaaminyaka na nini? Avec le cœur. Wanaaminyaka na roho.
On croit dans le cœur. Et on doit confesser par la bouche avec ta bouche. Je vous donne l'occasion de confesser. Vous avez dit que vous croyez que ce que Dieu a fait avec Israël, il l'a fait aussi avec nous. Si vous croyez, dites grandement Amen. Dites Amen de manière à ce que Dieu entende votre foi. Ce que Dieu a fait avec Israël, est-ce qu'il l'a fait aussi avec vous? Maintenant, Sasa, je vais lire. Minta soma. Quand nous parlons pour Israël, nous disons aussi pour nous. L'Église est comme Israël. Kanisa. L'Église ressemble à Israël. Kanisa inafanana na Israeli. Lorsqu'il sortit de l'Égypte. Wakati walitoka mu Misri. Lorsqu'Israël était là-bas en Égypte. Wakati Israeli walikuwa kule ku Misri. Dieu, Mungu, dans sa merveilleuse grâce. Kupitia neema yake kubwa. Sans aucune organisation. Bila tengenezo hata moja. Ni rien d'autre. Wala kitu kingine. Appela Israël à sa postérité. Akaita Israeli mukufauru kwao. Il les appela à leur héritage. Dieu appela Israël à sa postérité, à sa prospérité. Mungu akaita Israël mukustawi kwao. Il nous a aussi appelés à notre prospérité. Anatuita nasi pia mukustawi kwetu. Quand je parle pour Israël, wakati niko nasema juu ya Israeli, vous confessez cela. Muku nakiri ile. Dieu appela Israël à sa prospérité. Mungu. Dieu nous a aussi appelés à notre prospérité. Amen. 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 Dieu appela Israël à sa prospérité. Dieu nous a aussi appelé à notre prospérité. Non, c'est lourd. Ikuya chini sana. Rendons cela personnel, individuel. Mina penda sema kila mtu abebele kwe yake. Quand je dis Israël, wakati ninasema Israeli, tu parles pour toi-même. Useme ndio yako binafsi. Parle pour toi-même. C'est mes bien-aimés frères et sœurs. Ajoutez votre foi à cela. Quelque chose va arriver. Parce que nous sommes dans sa présence. Dieu appela Israël à sa prospérité. Dieu m'a appelé à ma prospérité. Il les appela à leur héritage. Il m'a appelé à mon héritage. La grâce leur donna un prophète. La grâce m'a donné un prophète. La grâce leur donna une colonne de feu. La grâce m'a donné la colonne de feu. La grâce leur donna l'agneau du sacrifice. La grâce m'a donné l'agneau de Dieu qui ôte le péché qui monte. La grâce m'a donné Jésus. Emma inanipatia Yesu. La grâce leur donna la puissance. La grâce m'a donné la puissance. Dites cela avec une ferme assurance. Emma il est naïki kisho kubwa. La grâce leur donna la puissance. La grâce m'a donné la puissance. La grâce leur donna la délivrance. La grâce m'a donné la délivrance. La grâce leur donna la victoire. La grâce m'a donné la victoire. La grâce leur donna toutes ces choses. La grâce m'a donné toutes ces choses. Alléluia. Alléluia. Et ils danseront en esprit. Nous danserons en esprit. Aujourd'hui, il faut danser. Ah, nos amis, il faut danser en esprit. Wakati tu danses, il a peiné sa couteuse amoureux. Ils crièrent et louèrent Dieu. Nous crions et nous louons Dieu. Je crie et je loue Dieu. Amen. Amen. Poussez des cris de joie. Toi ni malalami ko ya fura. Amen. Amina.
Suivez maintenant. Nous revenons dans Je serai avec vous, comme, avec toi comme j'étais avec Moïse. Paragraphe 17. Kipindi ya 17. C'est un message du 11 septembre 1960. Paragraphe 17. Il dit ceci. Ni ujumbe ya 11 septembre 1960. Quelle grande chose. Lorsque nous avons comparé l'église naturelle et l'église spirituelle. Wakati tulilinganisha kanisa ya kiroho na Israeli. Traitant avec Israël dans le naturel. Mungu mwenye kutumika na Israeli katika ukiasili. Et avec l'église en ces jours. Eko natumika na kanisa muhima shiku. Alors qu'il appelle hors des nations. Wakati kuna ita inje ya mataifa. Un peuple pour son nom. Uma nji ya jina lake. Il traite avec ceux-ci dans le spirituel. Et qu'on a tumika na aba mukiro. Comme il traitait avec ceux-là dans le naturel. Vile aranza tumika na bale mukiasiri. Elles sont juste en parallèle. Wao, weku wenye kufanana. L'une avec l'autre. Awa na wengine. Tout ce que Dieu a fait avec eux. Kile kiote Mungu aliwafanyiaka. Tout ce que Dieu a fait pour eux. Kile kiote Mungu alifanyaka njuu yako. Et tout ce qu'ils ont fait en réponse. Na kile kenye uko barifanyaka mukujibu. Cela nous a été laissé à titre d'exemple. Kile kenyewe baritwachia cho kama mfano. Et nous voyons. Na tukunaona. Et jusqu'ici. Paka na hapa. La parole a été accomplie exactement de la même façon. Ya kusema neno ilitimizika munamuna moja moja. Maintenant, comme dans le naturel. Sasa sabile mukiasili. Lorsqu'ils avaient une victoire. Wakati walikuwa na ushindi. Même une petite victoire. Hata ka ushindi kadogo. Ils s'installaient pour se réjouir. Baranzaka kudipanga njua pour crier. Kurai, kulalamika. Pour danser. Njua kupika maringa. Et louer Dieu. Na kusifu Mungu. Juste comme l'église l'a fait. Paka vile kanisa ilifanya. Amen. Amina. Donc nous allons faire non pas comme les Américains. Kumbi, tutafanya sio kama wa Amerika. Notre équipe c'est Israël. Mufano yetu Israël. Israël quand ils avaient la victoire. Israël wakati alipata ushindi. Ils s'arrêtaient. Bara kushimama. Ils chantaient. Wanaimba. Ils louaient. Wanasifu. Ils dansaient. Na kupika maringa. Ils rendaient grâce au Seigneur. Wanashukuru. Amen. Amina. Amen. Amina. Oh bien-aimés frères et sœurs. Eh wapenda ndugu na dada. Tu vas encore ce que frère Branham dit ici. Sikilizeni kile ndugu Branham anasema tena hapa. Dans une autre année, c'est en 1965 cette fois-ci. Mwaka ingine mwaka wa 65. J'ai choisi cela mais quand j'ai étudié ça c'est dans toutes les années qu'il fêtait c'est. Nilichakula ile lakini wakati nilianza kujifunza ile ni miaka yote wanaanza kufanya vile. Aranzaka kubiri kila mara dans ces jours-là d'action de grâce. Mwile siku ya tendo la shukrani. Ici, dans le message de l'union invisible de l'épouse de Christ, apa katika mungano isiyoonekana ya bibi harusi wa Kristo, prêché le 25 novembre 1965, ya tarehe 25 mwaka mwezi wa 11 mwaka wa 65, le frère Jacques avait invité frère Branham à aller prêcher dans son église. Nduku Jacques arialikaka nduku Branham enda kahubiri mkanisa yake. Paragraphe 16 il dit ceci. Kipindi ya 16 anasema hivi. Jamais je disais quelque chose ce soir. Kumbi kama mimi nasema kwa kitu fulani hii magharibi. Eh bien c'est pour une des raisons. Na vizuri ni njia mmoja ya masababu. Pour lesquelles j'ai accepté l'invitation ce soir. Yambayo nilitika hii aliko hii magharibi. De venir apporter à partir d'ici. Njia kuya kuhubiri tokea hapa. Mon message de grâce, d'action de grâce. Hii ujumbe yangu ya tendo la shukrani. Mon message de thanksgiving. Hii ujumbe yangu ya thanksgiving. Mon message d'action de grâce. Hii ujumbe yangu ya tendo la shukrani. Aux groupes qui sont partout dans le pays. Kwa makundi yenye kuya mbalimbali katika nchi nzima. C'est parce que frère Jacques m'a toujours ouvert ses portes. Ni kwa sababu nduku Jacques kila mara ananifunguliaka paka milango yake. En me disant, mkunyambia, prêche ce que tu as dans prêche ce que tu as sur le cœur. Ubiri kile unacho moyoni mwako. Alors je me sens vraiment à l'aise. Bale najisikia huru kabisa. Je saute. Munamuna. Je saute. Mina luka. Paragraphe 31. Kipindi ya 31. J'aimerais intituler les quelques remarques que je me suis proposé de faire ici. Dipenda kupanga ko mambo chache le mina sema mini chukua njoo kusema leo. Ainsi que les passages de l'écriture dont je voudrais me servir pour y faire suite. Na mandiko ya mbibilia ile miri chakula konjua kufasiria ile. Si le Seigneur le veut. Kama Bwana anapenda. Pour ce message d'action de grâce. Jia hii ujumbe ya tendo la shukrani. Ce sera
L'union invisible de l'épouse de Christ. Itakuya mungano aussi onekana wa bibi harusi wa Christ. L'union invisible de l'épouse de Christ, il répète. Mungano aussi onekana wa bibi harusi wa Christ. Ça ne semble pas être un message d'action de grâce. Anasema hii haionekane kama ujumbe ya tendo la shukrani. Bien que nous soyons reconnaissants de tout passage de l'écriture quel qu'il soit. Hata vile tuko na shukrani ya kila andiko yote jinsi iko. Maintenant il veut montrer que même ce message là, l'union invisible, c'est aussi un message approprié pour les actions de grâce. Sasa alipenda kuonesha kusema hata ile ujumbe ya mungano usionekana ilikuwa ni juu ya tendo la shukrani. Je vous dis ceci parce que je voudrais aussi donner mon message d'action de grâce. Niko nasoma hii kwa sababu mimi napenda na mimi kusema ko ujumbe yangu ya tendo la shukrani. Là je voudrais parler de la foi de l'heure en action. Kwa sababu mimi napenda kusema juu ya imani ya siku mutendo. La foi, imani sans les œuvres est morte. Bila matendo ni yenye kufa. Mais la foi agissant, lakini imani katika tendo, c'est cette foi là dont on a besoin. Jo ile imani tunayohitaji. Une foi qui agit, imani yenye kutenda. Une foi qui manifeste, imani ile kunonekanisha, qui démontre Christ, ile kunonekanisha Kristo. La foi de l'heure en action, imani ya sa katika tendo. C'est ça mon message d'aujourd'hui. Ile ndio ujumbe yangu ya siku. En ce jour d'action de Christ, mui siku ya tendo la shukrani. Amen. Amina. Amen. Amina. Parce que Dieu honore notre parole. Kwa sababu Mungu ekunaheshimia misemo yetu. Aujourd'hui que nous voulons remercier le Seigneur pour c'est rescapé. Leo tunapenda kushukuru Mungu ndio ya hawa wapata ajali. On témoin ils le diront ici. Wakati wataanza kushuhudia hapa quand il partait. Wakati wanaanza kusafiri. Ce samedi là je leur avais fait des reproches. Ile siku ya posho niliwakemeaka pour ne m'avoir pas avisé avant, pour n'avoir pas demandé avant. Ndio ya vile hawakunijulishake mbele, hawakunilombake ruhusa kabla ya ile. Il y avait que le diacre comme officiel qui avait demandé, parce que les officiels, quand ils se déplacent, ils doivent avoir l'autorisation du pasteur. Kulikuwa ni paka shemasi njole alinilombaka ruhusa kwa sababu yeye eko hapa tunatumika naye pamoja. Wakati wale tunatumika nao pamoja wanapenda kusafiri, wanapasha kulomba ruhusa kwa pastori. Parce que son poste sera vide. Kwa sababu fashi yake ya kazi itabakia wazi. Je vais poser des reproches. Ni wakemeaka nao pia. Et après, na kisha quand tout le monde a demandé, wakati wote walilomba, j'ai prononcé la parole. Nikasema kwa misemo, que Dieu soit avec vous. Mungu akuye pamoja nani. Dieu vous protège. Mungu amichunge. Amen. Amina. Dieu a honoré cette parole. Mungu aliheshimia ile sauti. Ça, je vois une foi en action. Ile niko naona ni imani katika tendo. Moi je vois ça. Mie niko naona ile. Nabo ni bashuda. Ils sont témoins. Wao ni washuda. Si vous êtes témoin, levez la main. Kama mko washuda, muinue mkono. C'est une foi en action. Ile ni imani katika tendo. Amen. Amina. Quand je vois mes frères, wakati naona ndugu zangu, prince, c'est frère Kaninda. Godé Kaninda. Duku Godé Kaninda. Où est la sœur Marie? Dada Marie est quoi? Sœur Marie, où es-tu? Dada Marie, où es-tu? Mais pourquoi tu ne t'aimais pas à côté de ton mari? Tu as nini à wikale ko kumpemeni ya mume wako? Où est-elle, Dada Marie, sœur Marie? Eko wapi, Dada Marie? Levez grandement la main. Quand je vois cette sœur, wakati naona ule dada opérer, mwenye bari on a levé la trompe. Baritoshaka ata matrompe. Elle ne pouvait plus avoir des enfants. Akukukue tena namu na yeku zala. Sœur Marie, ici, levez-vous, mettez-vous ici. Bwana yake, simama hapa nduku. Voyez-le. Munamona. C'était un témoin de Jéhovah. Arikuyaka témoin de Jéhovah. Parce que sa femme était opérée. Kwa sababu mke wake barimupasulaka. Il voulait épouser une autre femme. Merci. Aripendaka kwa bibi mwingine. Ma femme est venue. Mke wake akakuja. Elle n'était pas d'accord. Ashikuchikake mambo ya vile. On savait pas quoi faire. Ashikujuake cha kufanya ni kitu gani. Tukamuingisha Mungu kiwanjani. Le grand Jéhovah des miracles. Ule Mungu mkuu wa miujiza. Le Dieu de Branham. Mungu wa Branham. Est entré en scène. Akaingia kiwanjani. Il a recréé les trompes. Akaumbulula ile matrompe. Une femme qui ne pouvait plus avoir les enfants. Mouke ou la chikupasha qui était na kuzala. Après ça, il a eu combien d'enfants depuis le miracle? Kisha il les mambo. Il y a déjà 4 enfants. Batoto yine.
Quand je crée, il a créé. Quand je bénis, il a béni. Quand je guéris, il a guéri. Pourquoi voulez-vous m'empêcher de crier pour Dieu? Pourquoi voulez-vous m'empêcher de prier pour Dieu? Le Dieu de la Bible, Mungu wa Biblia, Mungu wa Branham, eko hapa. Mais nous le papons. Tuko na muna, tuna mpapasa. Frère Jean-Pierre. Nduku Jean-Pierre. Jean-Pierre, il est souvent dans les services commandés. Sœur Elisa. Dada Elisa. Où est-elle? Eko hapi. Ton mari n'est pas là. Lève-toi. Lève-toi. Dada. Oh, que Dieu te bénisse. Eh, Mouma Kupariki, Dada. Elle est en bonne santé. Elle était à l'article de la mort. Rongée par le cancer des poumons. C'était fini. Ne mangez plus, ne se relevez plus, c'est fini. Sa mère a dit non, non. Dans le camp, il y a quelqu'un. Jésus est vivant. Mais Jésus, Jésus, dans mon église, Jésus a des mains. Jésus a des pieds. Jésus a un témoin. Jésus a une image. Je veux voir mon pasteur. Elle prend l'enfant. On lui dit non. Mais il va mourir. Si je reste, elle va mourir. Si je pars, je veux qu'elle aille mourir même à l'église. Il est venu. Il n'a même pas su entrer dans mon bureau. Et elle m'a appelé. Na akanita. Je ne puis rien faire. Mishi kufanya ke kitu. Nous ne pouvons rien. Atukupashake kufanya kitu. Nous sommes des sarments. Des sarments, des branches. Mais lui c'est le sel. Lakini yeye ndio muti. Nous devons être connectés. Tunapasha kwa wenye kuchomeka. Nous devons être branchés. Tunapasha kwa wenye kuchomeka kabisa. Ndugu, pendant que je parle, wakati na niko nasema, vérifiez votre connexion. Chunguza hapo, fasi yako ya mahusiano, la connexion. Angalia kwa fasi yako ya miungio. Soyez connectés. Huyo mwenye kuungiwa. Soyez connectés. Huyo mwenye kuchomeka. Si il a fait pour lui, kama alifanya kwa yake, kama alimfanyia kwa yake, ataifanya pia juu yako. Nous n'avons pas dit attendez, nous allons d'abord jeûner. Non. Atukusema ke chunga mbele tufunge chakula pana. Alléluia. Alléluia. Nous avons engagé. Tukamwandika. Le grand Jéhovah le dira. Yehova mkuu wa miujiza. Et nous avons payé le taxi. Pour qu'elle rentre à l'hôpital. Je dis rentre à l'hôpital. J'avais fait des reproches à sa mère. Il fallait m'appeler, j'allais me déplacer. Kunita, non. J'ai senti une conduite. Je me suis dit que c'est un jour d'expérience. Vous êtes occupé. Et vous êtes consacré. Na uditolea. En tout cas, je viens à votre lieu de travail. Elle est rentrée avec l'enfant. Akarudia na mtoto. Elle ne mangeait plus. Elle ne savait pas dormir. Parce que le souffle allait se couper. Ce soir-là, le premier signe, ishara ya kwanza, elle a dormi profondément. Arilala bushingishi kwa kweli. Les gens étaient autour du lit. Bantu barikuya kando kando yake. Peut-être elle est morte déjà. Parce que sa zingine na kufa bikuje. Elle avait maigri. Arikuya mwenye kukonda kabisa. Après, kisha, après ce long sommeil, kisha kule bushingishi burefu kabisa, le
le deuxième ou le troisième jour. Elle a dormi de façon exagérée. Finalement, elle qui ne mangeait plus, elle a demandé la bouillie. On lui a donné. Après un temps, elle a eu un peu de force. Tous les besoins étaient sur le lit. Maintenant, elle admet la force qui devient. C'est laver tout ça. Comme les médecins voyaient que c'est de là-bas. Beaucoup de stagiaires, médecins, stagiaires vont là-bas. Ils étudiaient les cas de cancer. Ils sont venus, ils étudiaient les cas de cancer en dernière étape. Baranza kujifunza kansa ile sha kufika kumwisho kabisa. Nasema tuko hapo na mambo tu na mtu mmoja kuna kansa hapa. C'était nombreux là. Alikuwa ba mingi. La malade ici où était qui était couché ici. Huyu mgonjwa alikuwa mwenye kulala hapa. Eko wapi? Elle était assise. Alikuwa sha kukala pale. Sa mère dit elle est là. Mama yake anasema yeye ule sha kukala pale. Non, la malade ici. Hapana, huyu mgonjwa huyu tu kuna mafisha hapa. Ah! Jo ye huyu. Debo assis. Mwenye kuikala? Non. Amna? Non. Akana? Qu'on fasse les examens en face. Tufanye mbele machunguzi. On est allé faire les examens. Banenda kafanya machunguzi. Le poumon qui était rongé. Ile kifua kilikuwa chenye kurarua. A été recréé. Ile mafafa bali yumbulula. Ce n'est pas une histoire qu'on m'a racontée. Il est aina disi bari kifasiria. Je ule pale. Elle est là. Je ule mwenye kuikala pale. Elle est là. Je ule pale. Amen. Amina. Qui peut faire cela? Ni nani anaweza kufanya bia vile? Vous allez chanter ça. Mutaimba ile. Hein? Qui peut dire qu'il n'y a pas de racheté? Ni nani atasema wakombolewa? Qui peut dire que Jésus ne guérit pas? Ni nani Yesu ashitunzake tena? Qui peut dire? Ni nani atasema que Jésus ne guérit? Sema Yesu ashiponyake tena? Mais il a créé. Ye ula riponya? Il a créé. A riponya. Quand les médecins ont vu ça, ils se sont grattés. Wakati wanganga ukaona ile wakajipalula mubitu. Ils ont dit ça c'est un miracle. Wanasema hii ni muujiza. Nous on n'a rien fait. Je atufanya kitu hata moja. On a dit qu'on ne devait même pas payer les frais parce que on dit sema ushiripa ta kukuripa ile rupasha. Hii ni muujiza. Les gens ont pris l'adresse. Batu baka kupriwa anwani wanasema mnaombaka wapi? Les jours qui suivaient là on a reçu beaucoup de gens là. Bale kurikachika tulipata watu wengi kabisa wanaanza kutafuta fashi tulikuwa. Des choses comme ça. Bitu kama hivi. C'est Dieu là. Ule Mungu ule. Pas loin. Ashina mbali. Il est ici. Eko hapa. Vérifiez la connexion. Chunguza sasa fashi yako ya mapatanisho na Mungu. Est-ce que vous êtes connecté? Eti huku mwenye kuchomekwa? Est-ce que le réseau est bien? Eti réseau iku yenye kushimama vile nafai? Alléluia! 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 Oh, je me sens très bien. Eh, na disikia vizuri kabisa. Il faut que j'arrête pour qu'on puisse chanter. Et la pendeza ni shimamisha ndio twimbeko. Alléluia! Alléluia! Frère Branham commence à raconter les choses dont il est reconnaissant. Nduku Branham ananza kufasiria ko bitu bile eko navyo na shukrani kwa Mungu. C'est même dans ce message il était reconnaissant. Bile bi aranza kuonesha mu hii ujumbe ya kusema alikuwa na shukrani. Il dit, j'aurais certainement aimé être ici à l'époque de son passage sur la terre. Asema ndipendaka kabisa nikuye po mwile wakati la ripitia kwa papa dunia. Je lis d'abord le paragraphe 32. Tasoma kwanza kipindi. C'est dans l'union invisible de l'épouse de Christ. Mungano sio onekana wa biharusi wa Kristo. Le temps me manque. Wakati china tena nayo. Pour citer des cas. Jua kutaya mambo hapa. Frère Osea, est-ce qu'il est là? Nduko Osea, eti yeko hapo? Il est allé prêcher? Arienda kubiri. Mwambu iso repuse la. Mwambu iti yake kwa po. Il est où? Ici. Oh, mwambu iti. Eh, hey, dada mwambu iti. Elle a des enfants. Eku na batoto. Elle ne pouvait pas avoir des enfants. Ashi kupashake kuzala. Et cet enfant porte le nom de ma femme, de mon épouse. Na uyu mutoto, eku na njina ya mke wangu. Vous avez combien d'enfants maintenant, maman? Muku na batoto bangapi sasa? 4. Batoto ine. Depuis le miracle. Tokea ile mujiza.
Quand je dis ça, toi qui n'as pas encore d'enfant, vérifie la connexion. Didier, connexion. Connectez-vous. S'il a fait pour terre, il le fera aussi pour toi. On a vu qu'il ne pouvait pas avoir des enfants. Le médecin dit non, ça tu ne peux pas. Il faut qu'on fasse une opération. Et cette opération, il y a très peu de chances pour que ça réussisse. On fait ça. Ou sinon tu deviens puissant ou des choses stériles. Il était troublé. Lui-même est un médecin. Il a la formation. Il était devant son professeur, un docteur. Docteur. Troublé. Pasteur, où es-tu? Je suis à mon poste. Je suis au bureau. Tante, je viens, voici ce qu'il m'a raconté de venir. Il a parlé. Akanyambia, nasema. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux? Unapenda nini? Parce qu'il faut ta foi et ma foi ensemble. Kwa sababu inapendeja imani yako na imani yako pamoja. Parce que moi je crois toujours que... Mimi na miniaka kila mara ya kusema. Tout est possible à celui qui dit. Yote inawezekana kwa yule anamini. Nous avons prié. Tukaomba. J'ai engagé Dieu. Nikamuingiza Mungu mkiwanja. Il est parti. Akaenda. Quand elle a conçu. Wakati ile mke akachukua mimba. Nenda le voir le médecin a douté. Non. Akaenda kaona munganga akashakia akasema hamna. Toi tu ne peux pas voir. Wewe hawezi kupata mtoto. Dit mais c'est ça. Kini njoo vile. Il lui a même dit. Akamwambia, vérifie bien peut-être ta femme a déconné. Chunguza mbele sasa zingine mke wako alitoka nje ya ndoa. Mais il n'y a pas que ça, mais il y en a quatre. Lakini hakuna paka ule moya, batoto bashakwa ine. Qui a fait ça? Ni nani alifanya ile? C'est Jésus. Ni Yesu. Qui croit qu'il est ici? Ni nani anaamini kama eko hapa? Qui croit que Jésus est ici? Ni nani anaamini kama Yesu eko hapa? Qui croit qu'il est ici? Ni nani anaamini kama eko hapa? Je vais citer une déclaration pour arrêter. Je me sens tellement bien que je sens que j'arrête. Mita maluku ingine njia kwa njia kusimamishia. Kwa mina tisikia, hakuna tena namu na miku endelea. Amen. Il dit, Emma, je suis reconnaissant Dieu de vivre en ce temps des derniers événements de l'histoire du monde. Niku na shukrani kwa Mungu, juu ya kuishi mwi wakati ya mwisho ya matukio ya mwisho ya dunia. Mais si j'avais un mot à dire, lakini kama ndikuyaka kwa na msemo mwa ya la fondation du monde, kabla ya kuumba dunia, que Dieu m'ait présenté tout son programme en me disant, kama Mungu ananionyesha kwa mpangilio yake mkusema, je veux que tu prêches. Mimi napenda ubiri. Maintenant, dans quel âge désires-tu aller sur la terre pour prêcher? Sasa, ni wakati kani ya kizazi, unapenda kwenda, njua kwenda kaubiri. J'aurais choisi cet âge-ci. Anasema, ndipasha kuchakula paka hiki kizazi. Car je pense que c'est l'âge d'or. Kwa sababu, nazani ya kusema, hii ni kizazi kia zahabu. J'aurais certainement aimé être ici. Ndipasha kupenda kuwa hapa. À l'époque de son passage sur terre. Mwakati ile alipitaka hapa pa dunia. Mais je pense quand même que maintenant. Lakini nawaza ya kusema hapa sasa, c'est une plus grande époque. Hii ni wakati kubwa kabisa. Parce que c'est l'époque où il viendra chercher ceux qui l'a racheté. Kwa sababu ni wakati ile atarudia njoo kwa kuchukua wale ye alikomboa. Où la résurrection est proche. Wala ufufuko inakaribia. Le moment où tous les rachetés apparaîtront. Wakati le wakomboa wote wataonekana. Quelle occasion glorieuse. Hii ni patika ni ya utukufu. Il nous a donné. Ile anatupatia. De parler à un peuple qui se meurt. Ya kunenea kwa umma yenye kwa iko na kufa. Une grande époque. Hii ni wakati kubwa. Cela nous remplit d'enthousiasme. Ile inatujaza kabisa na upendo. Et nous savons que l'histoire arrive à sa fin. Na tukunaona kusema hadithi inafika kumwisho. L'histoire du monde sera bientôt terminée. Hadithi ya hii dunia itamalizika muda si muda. Nous entrerons dans un jour nouveau. Tutaingia sasa msiku mpya. Le grand millénaire. Il est utawala wa miaka elfu.
comme croyant, kama waumini, en effet, je crois à baïdi, un millénium. Mina mini kutawalo wa miaka elfu, au règne de millénium. Kutawalo wa miaka elfu, avec Christ. Pamoja na Christu, pendant mille ans sur la terre. Kadiri ya miaka mia moja hapa pa dunia. Le retour physique du Seigneur Jésus. Kurudi kwa Bwana Yesu mumwili ya wanadamu. Pour y prendre avec lui un peuple physique. Kwa kwa kuchukua kwa pamoja naye umma ya mwili ya wanadamu yenye kutukuzwa. Grâce à son sang purificateur. Vous parlez d'une action de grâce. Amen. Amina. Vous parlez d'une action de grâce. Amen. Amina. Il dit, anasema, je me sens vraiment bien. Mina disikia mzuri kabisa. Son paragraphe 264. Ni ukipindi 260. Je me sens vraiment bien. Naine, mina disikia mzuri kabisa. Je suis plus reconnaissant de ça que de n'importe quoi d'autre. Niko na shukrani kwa Mungu juu ya ile kushindia kitu. Pourquoi nous devons être reconnaissants? Eti tunaweza kuwa na shukrani kwake. Vous êtes l'épouse du fils du Dieu vivant. Nini ni jarusi ya Bwana mwana wa Mungu aliye hai. Pur. Safi. Amen. Amina. Ouais, voilà. Vous êtes l'épouse du Dieu. Vous êtes l'épouse du Dieu vivant. Moko bya rusi ya Mungu ya mwana Mungu aliye hai. Safi. Vertueuse. Sans péché. Tele na nguvu. Vous êtes pur. Moko safi. Vertueuse. Na nguvu et sans péché. Na bila zambi. Tout homme et toute femme. Kila mtu mwanaume na mwanamke qui sont nés de l'esprit de Dieu. Wale walizaliwa tokea roho ya Mungu. Ont été lavés dans le sang de Jésus-Christ. Wale walioshaka ndani ya damu ya Yesu. Qui croit la parole. Na wanaamini neno. Qui croit chaque parole de Dieu. Wanaamini kila neno la Mungu. C'est comme si vous n'aviez jamais péché. Biku sa au yatendaka zambi hata mara moja. C'est comme si vous n'aviez jamais péché au départ. Biku sa tokea kumwanza au yatendaka zambi. Vous êtes parfait. Uko kamilifu. Le sang de Jésus-Christ. Damu ya Yesu Kristo. Comment pouvez-vous si un homme 3 points? Namuna kani unaweza kama mtu nukta 3. 266. 266. Si je devais mourir demain. Kama ndipasha kufa kesho. Et qu'un homme prenne ma place. Na mtu mwingine anachukua fasi yangu. Je n'aurais pas à mourir pour ce péché. Mi siwezi kufa njia dhambi zake. Quelqu'un aurait pris ma place. Mtu alichukua fasi yangu. De même, vile vile Jésus, Yesu, la parole, neno, a pris ma place. Akachukua fasi yangu. Il est devenu moi, alikuwa mimi, un pécheur, mutenda zambi, pour que je puisse devenir lui. Njia kusema mimi nikuye yeye. La parole, neno, que je reste fidèle à ça. Nibakie mwaminifu kuile. Pas à l'église. Hapana kwa kanisa. Mais fidèle à la parole. Lakini mwaminifu kuneno. Fidèle à la parole. Mwaminifu kuneno. Amen. Amina. Amen. Amina. La foi en action. Imani katika tendo. La foi en action. Imani katika tendo. Quand le fils de l'homme viendra. Wakati mwana wa mtu. Wakati mwana wa mtu atakuja. Trouvera-t-il la foi sur la terre? Et si atakuta kwa imani pa dunia. Ça c'est dans Luc 18. Ni katika Luka 18. Verset 8. Mustari yake ya 8. Je lis le verset 1er et le verset 8. Niko nasoma mustari ya kwanza na ya 8. Mais je vais arrêter, je coupe ça. Lakini mita shimamisha. Et je vous donne quelque chose quand même. Niko nampatia kwa kitu fulani. J'ai expliqué le thème, ça c'est le sujet. Mina fasiri yako tema hii ni ajili. Jean chapitre 10. Yohano, pardon, Luc, pardon, Luc 18. Luka 18. 1 et puis 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Yesu akawaambia kwa fumbo moja njoo kuonesha kusema inapendeza paka kuomba bila kuchoka. Et vous allez lire la suite. Na mutasoma ifuatayo. Bon, je peux même lire. Et il dit, na akasema, il y avait dans une ville un juge moya, qui ne craignait point Dieu. Mwamuzi moja ashikwanzeke kwa kugomba mungu. Personne. Ashikwanzeke kwa heshimia mtu atamoja. Yabe aussi dans cette ville. Na mwile muji moja mwile kako. Une veuve qui venait lui dire. Mujane moja ule aranza kwa kumwambia. Fais-moi justice. Unisambi eko. De ma partie adverse. Juu ya mbele ya wale wakizali wangu. Pendant longtemps il refusa. Kadiri ya kumuta mrefu aranza kukatala. Et ensuite il dit à lui-même. Lakini akajambia ye mwenyewe. Quoi que je ne craigne point Dieu. Hata vile shiongopake mungu. Et que je n'ai d'égard pour personne. Na vile shishimia ke mutu. Néanmoins. Lakini hata vile. Parce que cette veuve m'importune. Kwa sababu huyu mujana
nizuru, je lui ferai justice. Mimi tamusambia, afin qu'elle ne vienne plus, qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Dieu akusema ashikuye kila mara kwanza kunizuru na makelele. Le Seigneur ajouta. Bwana akaongoza. Entendez. Sikieni ce que dit le juge unique. Kile asemaye huyu mwamzi mtoasi. Et Dieu na Mungu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Ashita tendeaka ko waki wateule wake? Qui crie à lui jour et nuit? Wale wako namlalamikia usiku na mchana? Amen. Amina. Tardera-t-il à leur regard? Atakawia kuhusu wao? Je vous le dis. Mina miambia yo. Il leur fera promptement justice. Atawafanyia pale pale waki wake. Mais quand le fils de l'homme viendra? Lakini wakati mwana wa mtu atakuja? Trouvera-t-il la foi sur la terre? Atakuta ko imani pa dunia? Amen. Amina. Le deuxième passage, vous lirez ça à la maison. Andiko ya pili mtaisoma kunyumba. Dans Romains 4, katika wa Romi sura yake ya 13 à 25. Mstari wa 13 hadi 25. Je prends maintenant dans le message la foi en action. Nachukua sasa katika mahubiri imani katika tendo. Suivez ce que frère Branham dit. Sikilizeni kile ndugu Branham anasema. C'est un message du 3 octobre 1955. Ni ujumbe ya le 3 octobre 1955. Ce qu'il faut. Kile kinapashwa paragraph 41 jusqu'à 44. Kipindi 41 hadi 44. Quelque grande que soit votre foi, aizuru ngapi imani yako ni kubwa, si vous ne l'utilisez pas, kama auitumie, et ne vous est pas utile, haikusaidie kukitu. Tu as la foi et tu es assis. Huko na imani lakini unabakia mwenye kushala. Tu as la foi, tu es malade, tu n'utilises pas. Huko na imani huko mgonjwa lakini hautumie imani yako. La foi doit être en action. Imani inapasha kuya katika tendo. La foi doit être utilisée. Imani unapasha kuitumia. Il dit quelque grande que soit votre foi. Anasema imani yako hata ni mkubwa kana mbona kani. Si vous ne l'utilisez pas. Kama auitumie, elle ne vous est pas utile. Aikusaidia kukitu. À quoi sert le Dieu de Moïse? Itasaidia kunini Mungu wa Musa? S'il n'est pas le même Dieu aujourd'hui. Kama ana ule Mungu moja moja leo. Amen. Amina. À quoi sert le Dieu de Moïse? Mungu wa Musa atasaidia kunini? S'il n'est pas le même Dieu aujourd'hui. Kama aina Mungu moja moja paka na leo. À quoi sert un Dieu historique? Atasaidia kunini ule Mungu wa disi? Vous qui fréquentez l'église. Mwe benye kuya mkanisa. Et tout ce que votre église enseigne. Na bile vyote kanisa yenu inamifundisha. C'est un événement historique. Ile ni mambo ya zamani. Sur le retour du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Mukurudi kwa Roho Mtakatifu siku ya Pentecôte. Disant que pareille chose n'existe pas aujourd'hui. Mukusema sema kitu kya vile akina ko tena leo. Il y avait la guérison dans le passé. Ya kusema kulikuyaka kwa uponyaji mu mawakati zamani. Cela sert-il? Bile bitasaidia kunini? Ce n'est plus utile. Bile bina tena na faida. Que de lire que George Washington a vécu autrefois. George Washington alikuyaka ko mara fulani. C'est vrai. Ile ni kweli. Abraham Lincoln a vécu autrefois. Abraham Lincoln alikuyaka ko mara fulani. Selon l'histoire. Kulingana na Abraham Lincoln a vécu. Abraham Lincoln alikuyaka ko. Selon l'histoire. Kulingana na George Washington a vécu. George Washington alikuyaka ko. Mais ils sont morts. Lakini bashakufa. Ils sont ensevelis. Bashaku. Selon l'histoire. Kulingana na hadithi. Mais écoutez. Lakini sikilizeni. Jésus-Christ. Yesu Kristo. Vit. Et kunaishi. Amen. Ça c'est différent. Hii ni ya kuachana. On peut parler de ce qu'il avait fait en Galilée. Banaweza kusema bila alifanyaka mgalilaye. Ce qu'il avait fait en Samarie. Bila alifanya msamaria. Ce qu'il avait fait en Judée. Bila alifanyaka muyudea. Il est mort. Alikufaka. Il est ressuscité. Akafufuka. Il est vivant. Eko hai. Nous disons. Tukunasema. Ce qu'il avait fait à Jeffersonville. Bila alifanyaka Jeffersonville. Amen. Amina. Amen. Amina. À Indianapolis. Ku Indianapolis. Amen. Amina. Amen. Amina. Ce qu'il avait fait à où c'est? À Finlande. Bila rifanyaka ku Finland. Mais nous voyons ce qu'il fait au Lys Tabernacle. Lakini tukunaona bila kunafanya mu Lys Maskani. C'est qui ça voilà, c'est qui? Ule rifanyaka ile wakati ni nani? C'est Jésus. Yesu. Jésus est vivant. Yesu eko hai. Voilà l'action, la foi en action. Il enjoy imani katika tendo. Je vous parle de Jésus. Miku na miambia juu ya Yesu mu Biblia. Je vous parle de Jésus. Miku na miambia juu ya Yesu. Qui a créé les écureuils. Ula riumba ta matiti. Je vous parle de Jésus. Miku na miambia juu ya Yesu. Qui a créé les trompes. Ula riumba ta matiti. Ula riumba ata mafafa. Dieu, la foi en action. Imani katika tendo. Si vous comprenez, dites grandement amen. Kama munaelewa msemeni amina kubwa. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, kile tunachohitaji leo, c'est d'une foi véritable, ni imani ya kweli, et authentique, na ya kumwanzo, mise en action, yenye kutia mutendo, oui, oui, ndio, ndio, nous
avons besoin d'une véritable foi et des hommes qui oseront recevoir les paroles de Dieu et d'appliquer cela à eux-mêmes. Il guérit. Je l'ai vu guérir. Appliquez cela dans votre vie. Amen. Amina. Mais la Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui pour toujours. Il est toujours Dieu. Il n'échoue jamais. Frère, Ndoku. Ce sont les hommes qui échouent. Jésus ne peut pas échouer. Jésus est le Dieu immuable. Yesu ni Mungu asiyefaillible. Ule Mungu asipo kushindwa. Il n'échoue jamais. Kamwe asishindwake. Il est le même en essence. Ni yule moja moja ndani ya. Il est le même en puissance. Ni yule moja moja muwezo. Il est le même ce soir. Ni yule moja moja hii magharibi. Qu'il l'était. Pata vile alikuyaga. Quand il marchait sur les rivages de la Galilée. Wakati anaanza kutembea kwa mumanjia ya Galilaye. Il apparaît chaque soir. Alianzaka ale kunaonekana kila magharibi. Sur cette estrade. Hapa kumimbari. Et prouve lui-même. Na eko na dipitisha mwenyewe. Qu'il est vivant. Na kusema eko hai. Après la mort. Kisha kufa. Amen. Amina. Vous n'avez pas à prendre ce que dit l'histoire là-dessus. Mais c'est un fait actuel. De maintenant même. Et nous voyons cela maintenant. 43. Il y a quelques jours, quand une femme s'est levée du fauteuil roulant, deux femmes aveugles ont recouvré la vue. La puissance de Dieu est descendue. Elle a révélé les choses et les secrets de cœur. Lançant des appels pour venir aux réunions et des choses semblables, ce qui est la preuve infaillible de ce que Jésus est ressuscité des morts. Oh là là! Hey, my! Vraiment, nous avons vraiment une preuve qui montre qu'il est ressuscité des morts et qu'il est ici ce soir, prouvant lui-même qu'il est vivant. Na ushahidi ya kusema alifufuka toka wafu na eko naishi hapa sasa eko hai. L'action. Tendo. Votre foi. Imani yenu. Mise en action. Yenye kutia mutendo. Amen. Amina. À quoi servira-t-il de lire un Dieu historique s'il n'est pas le même Dieu aujourd'hui? Bitasaidia kunini kusoma kwa Mungu wa mwadisi kama ashina yule moja moja mpaka na leo? À quoi vous servira-t-il de lire au sujet des bras, du brave George Washington, s'il est mort et parti? C'est tout simplement un fait historique. Il est ni adisi tu. Mais Jésus est ressuscité des morts. Il est le même aujourd'hui. Nous allons chanter, il est le même. Tutaimba ni yule moja moja. Amen. Amina. Cette foi-là, c'est la foi de cette heure-ci. Il est imani, ni imani ya hii wakati. Il faut quand même que je lise quelque chose. Inanipendeza nisome kwa kitu fulani. Ouais. Ndio. Dans la nourriture spirituelle au temps convenable. Katika mahubiri cha kiroho mwakati ya kufaa. Paragraphe 18. Kipindi yake ya 10 na paragraphe 4. Kipindi yake ya 4. C'était message du 18 juillet 1965. Mahubiri ya tarehe 18 juillet 1965. Ndugu Branham anasema, je veux minapenda que vous vous affermissiez ya kusema mukamilishwe maintenant sasa hivi dans ces saints oracles de Dieu mui matauti takatifu ya Mungu dans la foi yenye kuwa ndani ya imani la foi de cette heure imani ya hii wakati. Pourquoi dans mon sujet je dis la foi de cette heure en action? Njoo kwa maana ajili yangu nilisema imani ya hii wakati katika tendo. La foi. Imani. Il faudra plus de foi. Inapendeza imani kubwa. Il n'y en a jamais eu dans un autre, dans tout autre âge. Ile ayakuyaka kwa mkizazi kingine. Car ceci. Kwa sababu hii. Doit être la foi pour l'enlèvement. Inapasha kuwa ni imani pour ya unakuru. Pour être enlevé au ciel. Jua kunyakunyuliwa kumbingu. Alors nous voulons que vous croyez. Pale tunapenda kusema muamini. Ce soir. I mangaribi. Qu'est-ce que frère Branham veut? Ndugu Branham anapenda nini? Il veut quoi? Anapenda nini? Que nous puissions croire. Ya kusema tuamini. À tout ce que vous avez vu. Kubile byote munaona. Vous avez vu Dieu agir? Murimona Mungu kutenda? Dieu
épargner ses enfants d'un accident mortel. Mungu kuepusha watoto yake kwa ajali ya kifo. Faut croire à tout ce que vous avez vu. Inapendeza kuamini kubile vyote mliona. Vous avez entendu. Bile vyote mlisikia. La parole que vous avez entendu prêcher. Kuile neno mlisikia kuhubiriwa. Signe au prodige que vous avez vu ça. Kumaishara na mishangao ile mliona kutimizika. Nous voulons que vous amagasinez tous. Tunapenda uchukue ile dans votre cœur. Ndani ya mioyo yenu. Les actions de grâce, nous voyons tout ça. Matendo ya shukrani tunaona bile vyote. Nous les croyons et nous les mettons où? Lakini tunabichukua, tunabibeba, tunabieka wapi? Dans notre cœur. Tunabieka mu mioyo yetu. Et que vous réfléchissiez. Na unanza sasa kuwaza. À savoir si oui ou non il s'agit de Dieu. Juu ya kujua ya kusema huyu ni Mungu wala hapana. Demandez-vous qui a fait toutes ces choses. Ujiulize ule alifanya hivi vitu vyote ni nani? C'est Dieu. Ni Mungu. Amen. Amina. Amen. Amina. L'écriture que nous avons lue. Andiko ile tulitokea mkusoma. Le message, la commission de Moïse. Katumbe uduma ya Musa. Du 10 janvier 1950. Ya 10 janvier 1950. Paragraphe 47. Kipindi yake makumi ine na saba. Jésus a posé cette question. Yesu akauliza. Quand je retournerai sur terre. Wakati nitarudia pa dunia. Trouverai-je la foi? Nitakuta kwa imani. Il doit y avoir. Unapasha kuwa une grande église pleine de foi. Kanisa kubwa tele na imani. Et Dieu a envoyé ces choses. Na Mungu alituma hivi vitu. Quelles choses? Ni vitu gani? Un prophète. Nabi. Amen. Amina. Avec la manifestation du premier pour, deuxième pour, tout ces na miracles. Na kuonekanisha kwa uvuto ya kwanza ya pili bile vitu vyote. Tout ce que Dieu fait là. Bile vyote Mungu kunafanya bile. Dieu a envoyé ces choses sur la terre. Mungu alituma hivi vitu pa dunia. Pourquoi? Dieu a nini? C'est pourquoi je vous disais de vérifier votre connexion. Njoo kwa maana nilianza kumwambia sasa mchunguze eko fashi ya kutomeka kwenu. Dieu a donné ces choses. Dieu a nini Mungu alituma hivi vitu? Pourquoi Dieu a-t-il envoyé ces choses? Dieu a nini Mungu alituma hivi vitu? C'est pour stimuler la foi. Ni njoo ya kuchamusha imani. Nous nous arrêtons, nous chantons, nous avons rappelé ces choses. Tunashimama tunaimba tunamikumbusha hivi vitu. Pour stimuler votre foi. Ni njia kuchamusha imani yako. Vous êtes croyant. Wewe ni muamini. Vous croyez le message. Unaamini ujumbe. Vous avez pris le baptême. Ulibatizwa. Peut-être votre foi. Sa zingine imani yako est morte. Ilikuwa ishakufa. Mais nous voulons qu'elle soit en action. Lakini tunapenda ikuwe katika tendo. Qu'elle soit une foi vivante. Imani yenye kuishi. Le Dieu là. Ule Mungu. Il n'est pas seulement le Dieu de Branham. Ashina paka Mungu wa Branham. Pas seulement le Dieu de mon pasteur. Aina paka Mungu wa pasteur. Pas seulement le Dieu de mondial. Aina paka Mungu wa seulement le Dieu de frère Godé. Aina paka Mungu wa ndugu Godé. Ou de la sœur Marie. Wala wa dada Marie. Amen. Il n'est pas seulement le Dieu de la sœur Souza. Aina paka Mungu wa dada Souza. Il est aussi mon Dieu. Ni Mungu wangu pia. Il est mon Dieu. Ni Mungu wangu. Il est mon Dieu. Ni Mungu wangu. J'ai aussi un problème. Na mimi niko na mambo. Pour lequel je veux voir ce Dieu là. Yenyewe ile niko nenda njoo kumona ule Mungu. Entrez en scène. Ingie kiwanjani. Donc Dieu a envoyé ces choses. Kumbi Mungu alituma bibitu. Pour stimuler votre foi. Jia kuchapa imani yenu. Qui sense déjà que sa foi est stimulée. Ni nani anashikia kusema imani yake inachamuka. Je continue de stimuler votre foi. Mina kia kile endelea kuchamsha imani yenu. Pour stimuler votre foi. Alitume bibitu njoo kuchamsha imani yenu. C'est la foi. Njoo kuonekanisha imani. Pour prouver ce que la foi. Njoo kudhibitisha kenye kuwa imani. Comprenez-vous ce que je veux? Munelewa kile mimi napenda kusema? Amen. Amina. Amen. Amina. Amen. Amina. Frère Branham dit. Nduku Branham anasema Dieu ou déteste une religion sans puissance. Ashipenda ke dini bila uwezo. Notre religion est accompagnée de la puissance. Hii dini yetu iko yenye kushindikizwa na uwezo. J'ai cité les choses qui démontrent la puissance. Mimi nataka kupita bila biko cha uwezo wa Mungu. Dans le message le pardon. Katika ujumbe du 28 Usama octobre 63. Ya 28 octobre 1963. Paragraphe 60 et 61. Ukipindi ya 61 na 62. Dieu déteste. Usama, Mungu ashipendake. Une religion sans puissance. Mungu anachukia ko dini bila uwezo. La religion doit avoir la puissance. Dini inapasha kuwa na uwezo. Certainement. Akika. C'est une puissance pour sauver l'homme du péché. Ni uwezo ndio kuokoa mtu kuzambi. Est-ce que plantant les amènes? Est-ce que vous kushikia kwa mina kule? La puissance qui est dans la religion. Uwezo yenye kwa ndani ya dini. Cette puissance fait quoi? Ile uwezo kunafanya nini? On voit un pécheur. Tunaona pale mtu mtenda dhambi. L'entre. Anaingia. Il devient un fils. Anakuwa mwana wa Mungu. On voit un gangster. Tunaona mtu mjambazi. Un bandit. Muuaji.
un voleur qui vient pour voler, la puissance de Dieu le frappe, il écoute le message, sa vie est touchée, son cœur est touché. Na maisha yake inabadilika. C'est de cette religion dont nous avons peur. Ni ile kini ya vile njoo ile tunayohitaji. Le Dieu qui guérit. Mungu mwenye kutunza. Il est le Dieu qui convertit. Ni ule Mungu yeye anabadilisha. Ni Mungu mwenye kuokoa. Il est le Dieu qui transforme. Ni Mungu ule anabadilisha. Il est le Dieu qui change. Ni Mungu ule anabadilisha asili. Il dit c'est une puissance. Anasema ni uwezo qui peut accomplir des signes. Il est inezi konekanisha prodige, mishangao, et des miracles. Na miujiza, une puissance pour sauver l'homme du péché. Uwezo ya kukomboa kwa mtu kuzambi. Amen, amen, amen. Amina. C'est cette puissance là. Ni ile uwezo. Je saute. Minaruka. 61. Makumi sita na moja. Munaona? Dieu. Mungu veut travailler dans son église. Anapenda kutumika mkanisa yake. Jésus a dit, Yesu alisema, je serai toujours avec vous. Mimi nitakuja pamoja nani? Même jusqu'à la fin du monde. Paka na kumwisho kwa dunia. Les œuvres que je fais. Matendo ambayo nalitenda. Vous les ferez aussi. Nini pia mutayatenda? Saint Jean 12, 14 dit, ni Yohana mtakatifu 12 anasema, les œuvres que je fais. Matendo ambayo nalitenda. Mutayatenda nani pia? Vous en ferez même davantage. Mutaitenda kuzidi. Car je m'en vais au Père. Kwa sababu mimi narudi kwa Baba. Maintenant, sasa l'église cherche à renier cela. Kanipenda ile. Amna Dieu. Mungu reste le même. Anabaki yule moja moja. Uwezo wake est la même. Ni paka ile moja moja. Amen. Amina. 62. Makumi sita na vous dites eh bien. Munasema vizuri. Ce miracle c'est pour un autre jour. Ile miujiza ilikuwa ni ya wakati mwingine. Rebanam dit. Ndugu Branham anasema c'est pour aujourd'hui. Ni njia ya leo. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui pour. Jésus-Christ ni yule moja moja jana leo paka pour aujourd'hui. Ninjui ya leo. Parce que Christ est la parole. Kwa sababu Kristo yeye ni neno. Saint Jean 1 dit, Yohana mtakatifu commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Na neno likuyaka pamoja na Mungu. La parole était Dieu. Na neno likuwa Mungu. La parole a été faite. Na ile neno ikajifanya mwili. Il a habité parmi nous. Ikakuya kuishi miongoni mwetu. Et la Bible dit il est le même hier, aujourd'hui pour toujours. Na nasema ni yule moja moja jana si leo hata milele. Christ est la parole. Kumbi kama Kristo ni neno. Chaque promesse est vraie. Kila ahadi ni ya kweli. Elle est la même hier aujourd'hui pour toujours. Ni ya kweli jana leo hata milele. Elle doit l'être. Chaque promesse. Inapasha kuya kila ahadi. Il faut une foi née de nouveau. Inapendeza imani yenye kuzalikwa mpya. Il faut une foi née de nouveau. Inapendeza imani yenye kuzalikwa mupya. Pour croire cela. Dieu kuaminia ile. Et faire que cela agisse. Na kufanya ya kusema ile itende. Une foi née de nouveau. Imani yenye kuzalikwa mupya. Pour croire la promesse. Dieu kuamini ahadi. Et faire que cette promesse. Na kufanya kusema ile ahadi. Agisse. Itende leo. Amen. Amina. Amen. Amina. Amen. Amina. Oh, je termine avec ça. Eh, minamaliza na hiyo. Écoutez-le et puis la foi parfaite. Lakini kuku mbili tena mumsikilizeni na imani kamilifu. Je voulais couper mais il faut que vous alliez avec cela. Nipenda kukata lakini napendeza mwende na hii. Au commencement était la parole. La parole c'est la base de toute chose. Kumwanzo kulikuwa ni neno. Neno ndio msingi ya kila kitu. On se réjouit bien sûr mais tuko na furahi ni kweli lakini tukue paka tukue na neno. Amen. Amina. Dans le message, écoutez-le. Katika ujumbe mumusikilize. Donc j'ai lu les deux dernières déclarations. Niko nasoma maluku mbili ya mwisho. Les deux dernières déclarations, les derniers passages. Maluku mbili ya mwisho. Dans écoutez-le. Katika mumusikilize mahubiri. Du 13 mars 1960. Ya tarehe 13 mwezi wa 3 mwaka wa 16. Dans la foi parfaite. Na katika imani kamilifu. Du 25 août 1963. Ya tarehe 25. Dans écoutez-le nous lisons le paragraphe 32. Tutasoma kipindi yake ya 32. Dans la foi parfaite nous lisons le paragraphe 114. Mu imani kamilifu tutasoma kipindi yake ya 114. Et là j'arrête là. Na pale mimi nashimamia pale. Amen. Amina. Votre attention maintenant. Mina lomba kwa usikilivu wenu. Secouez-vous un peu. Mujitikise kwanza. Secouez-vous un peu. Mujitikise. Soyez secoués. Mujitikise kwanza. Secouez celui qui dort qui est à côté de vous. Amusha mwenye kulala kando kando yako. Elle dormait là, elle dort. Alikuwa aranza kulala mnaona. Suivez, sikilizeni. C'est pour notre bien. Ile ni njia mema yetu. Faut pas toujours dire Dieu, notre Dieu nous guérit. Non. Hapana toa kwanza kusema Mungu wetu kunatuponya. Notre Dieu, mon Dieu là, me guérit. Sema ule Mungu wetu ekunanitunza. Individuel. Wewe mwenyewe binafsi. Pour les nations le salut et Dieu ya mataifa. Okovu ni ya mtu binafsi. Écoutez-le.
Mumusikilize mahubiri. Paragraphe 32. Kipindi makumi tatu na mbili. C'est comme je vous l'ai dit une fois. Biku safile ndimiambia kwa mara iliyopita. Katika gano la kale une fois mara moja on rédigeait on déchirait des papiers pour faire une alliance. Bataka kupasula kwa makaratasi njoo kufanya kwa gano. Il n'avait pas de facture. Akukuyake ma facture. On peut déchirer un papier. Batapasula kwa karatasi fulani. On te donne un morceau. Bana kupatia kipande. Tu laisses ton habit chez le lavandier là-bas. Unaacha koti yako kwa ule mwenye kusafisha. Pour venir retirer, tu viens avec le morceau de papier. Ukuya kuichukua, unakuwa na kile kipande ya karatasi bali kupatia. Si ça s'ajuste. Kama ile inapatana. Si ça s'accorde. Kama inapatana kabisa. Alors on dit c'est le même papier. Bana sema ile ni karatasi moja. Alors frère, prend cet exemple, il dit. Kumbi ndugu Branham anachukua ile mfano anasema. Il dit. Anasema. Ça c'était chaque morceau de papier devait bien s'ajuster. Hier anasema kila kipande cha karatasi kilipasha kupatana kabisa kabisa. Et Dieu a confirmé son alliance. Na Mungu anadhibitisha agano lake. Avec le peuple. Na umma yake. D'Isaac à Christ. Tokea Isaac paka na ku Christ. Il a déchiré le Messie en deux. Akapasula Masia katikati. Au calvaire. Kule ku Calvario. Il a pris le corps. Akachukua mwili. Il l'a placé à sa droite au ciel. Akaiweka kumekwake kumbingu. Il a envoyé l'esprit ici bas sur l'église. Na anatuma roho hapa chini kwa kanisa. Et l'église. Na kanisa. Devra avoir le même esprit. Inapasha kuya na ile roho moja moja. Non seulement avoir le même esprit, mais accomplir les mêmes choses que Jésus. Et je peux entendre les amen là-bas. L'église doit avoir le même esprit de Jésus et accomplir les mêmes choses que Jésus. Sinon, elle n'ira jamais dans l'enlèvement. Si vous n'avez pas le même esprit de Jésus. Kama una na ile roho moja moja ya Yesu. Si les signes qui accompagnent Jésus ne vous accompagnent. Kama maishara ile ranza kushindikizaka Yesu haikushindikize. Vous n'irez pas dans la lettre. Au stenda munyakuo. Qui croit cela? Ni nanya na mini ile. Mais c'est une déclaration. Ile ni luku. Amen. Amina. Alors la dernière. Kumbi ya mwisho. Suivez attentivement. Musikie na usikilivu. 114. 114. Ainsi. Kwa hivi. Quand un homme. Wakati mutu vit par la foi. Eku naishi kwa imani. Marche par la foi. Eku natembea kupitia imani. Je parle de la foi en action. Niku nasema njia ya imani si katika tendo. Kama mutu vit par la foi. Eku naishi kwa imani. Marche par la foi. Eku natembea kwa imani. Je veux dire la foi en tant que substance. Niku nasema imani kama kitu cha kupapasa. Il est isolé du monde entier. Yenye kuachana na ulimwengu nzima. Il devient une nouvelle créature en Christ. Anakuwa kiumbe kipya ndani ya Kristo. Maintenant. Sasa hivi. Vous arrivez dans la matière pour l'époux. Munaingia mubitu vya bibi harusi. Maintenant. Sasa. Vous arrivez dans la condition nécessaire pour l'enlèvement. Munaingia muali yenye kufai njia unyakuo. Cela veut dire que ile inamaanisha ya kusema chacun d'entre nous, kila mmoja wetu, pas seulement le pasteur, hapana tu paka pastori, pas les diacres, hapana shemasi, ou les animateurs seulement, wala wazamini peke yao, mais aussi les laïcs, lakini na waumini, chaque individu, kila mtu binafsi, marche dans un monde avec Dieu seul. Hebu natembea katika ulimwengu wake peke yake na Mungu. Vous êtes baptisé dans ce royaume. Huko mwenye kubatiziwa mu ile ufalme. Il n'y a personne d'autre là. Hakuna mtu mwingine mule. Si ce n'est vous et Dieu. Isipokuwa wewe tu na Mungu. Voyez-vous? Munaona? Dieu donne les ongles. Mungu eko naleta ma vous les exécutez. Na wewe unaitumia. Quoi qu'il dise. Aizuru kitu kaniata sema. Il parle l'ombre d'un doute. Hakuna hata shaka moya. Vous continuez à marcher. Huku naendelea na kusonga mbele. C'est la foi en action. Ile ni imani katika tendo. Vous marchez par la foi. Huku natembea kwa imani. Par la foi. Huku naishi kwa imani. Huku nasema kwa imani. Huku natumika kwa imani. Votre foi est en action. Imani yako ni katika tendo. C'est ça la matière pour les gens. Ile ndio vitu vya bibi harusi. Ce n'est pas seulement pour le pasteur. Haina tu paka ndio pasteur. Haina paka ndio mashemasi. Haina paka ndio wazamini. Mais c'est pour tous les laïcs. Lakini ni njia waamini wote. Ninjia kila mmoja wetu. Vous devez vivre vous seul avec Dieu. Unapasha kuishi peke yako binafsi na Mungu. Il dit maintenant. Anasema sasa. Vous arrivez à cette foi parfaite. Unafika kui imani kamilifu. Une parfaite perfection. Ile ukamilifu kamili. Il ne peut pas faillir. Ile haiwezi kukosa. Cette foi là. Ile imani ne faillit jamais. Haikosake. Oui. Haikosake ndio.
cette foi-là ne faillit. Il est imani ya ile na ina aishindwake. Jésus était un mystique. Yesu alikuyaka wasio limwengu. Pour les gens. Avec sa foi parfaite. Na ile imani yake kamilifu. Et c'est comme ça maintenant. Na njo vile sasa. Ceux qui ont la foi parfaite. Wale weku na imani kamilifu. Sont des mystiques. Ni wasio limwengu. Pour les autres. Juu ya awa wengine. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki simameni kuima. Vous avez vérifié votre connexion? Eti ulichunguza ko fashi yako ya kuchomekwa kwako? Vous êtes resté longtemps, levez-vous. Muribakia wenye kuikala muda mrefu simameni sasa kuima. La rose du ciel, mauvais auteur. Chaque jour je garde sur le chemin. Je prie toujours, passe-moi Seigneur, oh Dieu pur, oh lève-moi. Seigneur, Jésus, que je t'aime, par la foi sûre, le pardon du ciel, oh oui, à plus haute plaine, jamais trouvé, mon Dieu, place-moi, Seigneur, au lieu du Seigneur, Jésus, que je me tienne par la foi sur le plateau du ciel, la plus haute paix, jamais trouvée. Mon Dieu, passe-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Seigneur,
mon Dieu, passe-moi Seigneur, mon Dieu, prie-nous. Oh,
Saint, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. A disparu, Dieu donne un plein salut, et nous réussit le monde entier. Oh, présence, car tu t'es révélé à nous comme le Dieu vivant, le même hier, aujourd'hui et pour toujours, le Dieu qui agit, qui opère, le Dieu qui guérit, qui délivre, le Dieu qui sauve, le Dieu qui crée les organes qui étaient rongés par le cancer. Tu es le Dieu qui protège. Tu es le Dieu vivant. Le grand dispensateur de tous les dons excellents. Tu nous as fait le don de foi. Tu nous as appelé à cette lumière du soir. Tu as fait de nous les croyants au temps de la fin. Et ta parole infaillible déclare que dans les derniers jours, ceux qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Ce sont les exploits de la foi dont nous venons de parler, Seigneur. Nous voulons encore continuer à t'exprimer nos actions de grâce avec des témoignages qui vont suivre, avec des cantiques, des chants. Nous voulons chanter, nous voulons crier pour toi, nous voulons danser pour ta gloire, Seigneur. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Tu es le Dieu de chacun de nous, Seigneur. Pour nous les gentils, le salut est individuel. Tu n'es pas seulement le Dieu du pasteur, pas seulement le Dieu des diables ou des administrateurs. Tu es aussi le Dieu des laïcs, de chaque fils et de chaque fille. Laisse que chacun de nous puisse vivre avec toi dans une intimité profonde, dans un monde où il est seul à seul avec toi. Élève-nous à ce niveau de foi là, Seigneur. Que notre foi soit une foi agissante de
délivre-nous de cette femme morte. Nous ne voulons pas avoir une foi intellectuelle, une foi morte, pour se contenter d'un Dieu historique. Nous croyons que tu es le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Tu avais fait l'histoire avec Israël. Tu es le Dieu du temps présent. Tu as été avec le prophète dans cette part. Tu es avec nous, le pouce. Continue à opérer et agir, Seigneur. Sois aussi réel et palpable dans la vie de chacun de nos pères. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amina. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Que tu puisses accorder à cette église, oh Dieu, des bénédictions multiformes et les bénédictions multidimensionnelles, Père. Que ta paix qui surpasse toutes choses reste avec ce peuple, Père. Que tu puisses les garder toujours dans l'unité, Seigneur, derrière les bergers et autour du berger, Père. Qu'ils puissent les soutenir, oui, Seigneur, comme Aaron et Hur avaient soutenu les bras de Moïse. Qu'il en soit ainsi pour cette église, Seigneur. Que celui qui est faible devienne fort. Que celui qui croit être debout, qu'il prenne garde de tomber. Que celui, Seigneur, qui est tombé, soit relevé. Une fois de plus, bénis cette église. Bénis son pasteur. Bénis les officiers. Et que la gloire te revienne à tout cela. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.